Oh, nous arrivons dans un moment qui est très important pour nous parler des réalités fiscales au département Nord-Ouest là. En pile frappe, parfois me connais côté, me souque tête, moins rire. En pile monde dit que c'est Nord-Ouest qui contribue plus cob dans le budget pays. Me contenter plusieurs mon a dit ça, bon, ça pas dit ça même, il dit Nord-Ouest voyant en pile l'argent Port-au-Prince. Réalité fiscale, département Nord-Ouest, là. Nous considérons, en termes de recettes, nous, dans 10 départements pays, nous considérons comme 8e département. Ah bon? Monde qui compte comme 8e département qui contribue dans le budget d'un pays. Donc ça veut dire et dernier nous avant dernier. Oui, non. D'accord, dernier. Faut que moi dise que tout cob qui contribue dans le DGI, il contribue à partir d'une direction, les directions des grands contribuables qui sont situés à Port-au-Prince. Direction des grands contribuables, les toute entreprise qui gagne. Ils ont fixé un barème depuis l'entreprise à chiffre d'affaires. Je ne vais pas rappeler là pour me depuis le chiffre d'affaires supérieur à montant ça, directement le payer dans la direction des grands contribuables. Et Port-au-Prince, même là, tout grand contribuable Port-au-Prince, ils ont payé dans la direction des grands contribuables, côté que un contribuable qu'on n'a pas payé 1 million, 2 millions, 20 millions, 50 millions, 100 millions de gouttes dans un seul jour. Donc, ça veut dire, et dans la province, il n'y a pas de direction grand contribuable, ça, c'est pas au prince lié. Oui, Port-au-Prince lié. Et grand contribuable qui est dans la province, à l'époque, c'est Port-au-Prince qui a payé. C'est qu'on y a la bagarre la vie est un petit peu difficile avec la Situation question pays. des déplacements, la situation de sécurité, hein, qui fait que il y a des entreprises Port-au-Prince là, qui étaient au bord de paix, mais ils ont transféré dans la direction des grands contribuables. Et jusqu'à présent, toute banque, même les banques qui ont personnel là, pas de personnel bancaire, ils n'ont pas payé. Ils n'ont pas payé rien pour banque et dans la direction départementale là. Ça veut dire, on monde qui travaille dans l'entreprise nationale, dans la banque, dans l'autre entreprise nationale, donc perception Port-au-Prince, va. Port-au-Prince pas fait pour Nord-Ouest. Ça veut dire, là, directeur. Port-au-Prince directement l'aller et dans la direction des grands contribuables, selon le chiffre d'affaires en entreprise ça. On emploie un acte comme là. Taxe liée par Port-au-Prince, Facebook, Digicel par Facebook. Port-au-Prince, en direction des grands contribuables. Donc, ça veut dire nous commençons à comprendre quelques bagages. Ça veut dire qu'il y a quelques cobs qui percevoir véritablement malgré dans le Nord-Ouest, soit vivre dans le Nord-Ouest, ou c'est Port-au-Prince qui affecté, il pas affecté DGI, département Nord-Ouest. Et peut-être, c'est ça, directeur. Oui, c'est ça, parce que c'est dans la direction des grands contribuables, il y a le payer. Et puis, à tout de suite après la direction des grands contribuables, vous jouez dans Delma, Bureau Central et d'autres petites villes, d'autres zones qui viennent, zone métropolitaine. Une zone métropolitaine, et un certain temps, zone métropolitaine, tu percevras et 94% recettes collectées pour pays. Pour pays. L'autre 6%, c'est l'autre 9 départements qui nous relaient provinciaux. Province contribue à hauteur de 6%. Et puis, zone métropolitaine contribue à hauteur de 94%. Et chaque fois, nous paraît dans la réunion. Directeur départemental, nous paraît dans la réunion. Et puis, Abdou, nous 6%. Yo. Et puis, nous demandons pour ben, nous rien. Ok, nous t'ai fait 6%, passé à 10% et nous t'avons travaillé pour te passer à 15%, puis t'es passé à 20%. Mais nous t'ai fait passer à 7% en année. Après ça, nous t'avons goûté, puis t'es passé à 10%. Mais situation pays vient faire que on met comment son travail là pas continuer parce que direction qui est très importante. Malgré ce Port-au-Prince lié, nous demandons de mettre un service dans chaque direction départementale qui c'est service vérification pour que nous augmenter recette là bon ça pas arrivé fait bon quoi au cap
gagner un service vérification, mais pourquoi étendre sous toute direction départementale, parce que avec un service de vérification, l'on paraît dans le bureau, nous avons un système qui est déclaratif. Mm-hmm. C'est vous-même qui déclarez, qui dit oui, pour année ça, vous avez entré 20 millions de goudes, vous avez dépensé 18 millions là-dedans, vous avez fait bénéfice de 20 millions, 2 millions. Mm-hmm. Et ça qu'on y a là, nous recevrons nos taxes au soleil. Mais après ça, on a besoin d'une équipe vérificateur qui a caillou pour collecter des informations et nous fait un pile qui c'est croisement des informations. Les entreprises apportent information pour nous. L'autre entreprise a voté, nous gardons information, nous conduisons l'information à travers l'autre entreprise. Et puis, pour nous au Bordeaux, nous vérifions l'entreprise là. L'entreprise gagne entreprise qui compte payer Port-au-Prince. 5 millions de gouttes, et puis là, il vérifie. Il y a un état de payer 15 millions de gouttes, il y a un Bordeaux supplémentaire de 10 millions de gouttes. Nous n'avons pas de vérification dans la province. Mm-hmm. Pour le département nord-ouest, c'est deux départements qui sont venus après nous. C'est le département NIP avec Grandance. Avec Grandance qui sont venus. Nous toujours calés des départements. Mm-hmm. Mais après ça, le nord, Atibonite, sud-sud-est. Nord-Est, on tend à nous battre Nord-Est. Parfois, nous sommes 8e, parfois, nous sommes 7e. Mais nous avons gagné une réforme qui fait dans Nord-Est avec en question FEMAGE qui est entré dans Nord-Est, qui est entré en pile comme